Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Elite Dangerous. Et nous nous faisons intercepter dans un nouveau système, le système je ne sais plus lequel, Fracri ou je sais pas quoi. Un système en anarchie, un système en rapport avec le powerplay. Moi je ne me fie pas d'analyse, alors mets un instant, j'espère que tu auras du bon matos. Alors tu vas me filer ta cargaison et que ça saute. Pourquoi pas? Bah écoute, c'est déjà bien d'y croire, mon cher ami. Où es-tu? Trou du cul. Juste cru. Où es-tu? Où es-tu? Pah! Un Cobra MK3. Donc j'ai pas fait le plein niveau munitions, mais ça ne saurait tarder. En anarchique, je ne risque pas de m'en prendre plein la gueule au niveau des menaces. Enfin, des commandes. Des différentes, pardon, prunes. Qu'on pourrait mettre. Allez, ramène tes fesses, je sais que t'aimes ça. Le boum. Bah alors, tu te défends même plus, ça y est, c'est la fin. Tu peux larguer ta cargaison, j'en ai rien à cirer. La cargaison n'est d'aucun intérêt pour moi, hein. C'est du vol. C'est de l'illégal. Comment tu me causes? Meurs sale vermine. Là, tiens, regarde, grille. Grille, trou du cul. Voilà. Alors. Maintenant, voyons voir ta marchandise. Voilà, illégal. Il a pété, mais je n'ai rien reçu. Je n'ai rien reçu. Il a pété, mais je n'ai rien reçu. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Donc moi, je me dirigeais vers la zone de conflit forte intensité que voici, en espérant qu'il allait y avoir d'autres joueurs. Hop, donc on y va. Nous sommes partis. Et il me semble que ça va être un peu long. Du coup, je risque de vous faire une petite ellipse. Donc, Fracani. On est. C'est là qu'on est. Accélérer pour activer. Oui, pardon, excusez-moi. J'en ai regardé le truc, je me disais mince, il y en a deux en bas. Mais non, c'est tout simplement les autres. Trucs de largage. Trucs largués, pardon. Pas de largage, mais bien des trucs largués. Alors. Bon, ça devrait se faire assez rapidement, normalement. Je dis bien normalement. Hop. Vous vous rendez compte, 200 secondes de lumière. Ça se fait vite, hein. Alors, en espérant qu'il y ait du peuple, mais du peuple humain. Et pas que de mon côté, enfin pas que de leur côté à eux, en fait. Il en faut aussi de mon côté. Ce serait pas mal. Je pense que niveau vitesse, on est plutôt bon. Être plutôt bon. Hop, on garde notre cap. On garde notre cap et on y est presque. Attention. Alors, accélère un petit peu maintenant. Ça ne sert à rien d'accélérer. Hop là. Voilà. Et nous sommes donc. Pour je ne sais pas qui. On va donc s'arrêter. Puissance galactique. Ah non, faut qu'on aille dans les crimes sweep, chers amis, c'est ça. Excusez-moi, my bad. C'est dans les crimes sweep qu'on fait les différentes trucs de faction. Excusez-moi. J'ai été mauvais. Je le reconnais. De bon cœur, à vrai dire. Hop.
Ok, on est bon. C'est parti pour le crime sweep. Hop. Comme vous voyez, je suis à fond. Malheureusement, ça ne suffit pas. Hop, les. Ça a failli quand même. Alors, c'est parti. Les verts sont avec nous, les rouges sont contre nous. Les jeux sont faits. Oula, je vois déjà du gros bestiau. Et du vraiment très très gros. Oula, je me fais déjà attaquer. Ouah, je me fais déjà attaquer genre bien en plus. Hein. Par deux vaisseaux minimum. Dont un python, un anaconda, des vultures. Donc je vais plutôt m'approcher du vulture. Hein. On verra ce que ça donne. Hop. Bouffe. Tu demandes que ça, que de te faire défoncer. Pas dans le mauvais sens. Par contre, faut que je reste à côté des gros vaisseaux si je veux pouvoir tenir le coup, je pense. Hop. Faire attention s'il n'y a pas un autre joueur qui arrive, tout simplement. Alors, maintenant qu'on a eu ça, on va essayer de chercher son générateur. Voilà. Il est bien là, il est présent. Oh là là, il est juste là même. Ah, il revient vers moi déjà. Le problème c'est qu'il n'est pas tout seul. Hop, il est touché. Il n'est clairement pas tout seul. Alors comment qu'on va faire, chers amis, pour nous libérer un petit peu de tous ces gros lards, parce qu'il faut le dire, on n'est pas du tout au niveau de ces pitons, de ces trucs. Ah, le voilà. Apparemment, il m'en veut. Il n'en demande pas plus. C'est génial. C'est génial à ceci près que mes boucliers sont plutôt dans un état merdique. C'est que je vais remettre un petit peu de puissance dans les boucliers. Je vois ça, taking damage, taking damage. Malheureusement, si je veux pouvoir me le faire, il faut que je puisse continuer à tirer. Hop là. Bien par là. Aïe. Wouhou. Chers amis, il nous arrivait un truc. Mais alors un truc qui pue. On a foncé dedans, littéralement. Putain. Et le premier truc est à 36 000 km, j'ai très très mal choisi tout simplement. Non! Oh putain! Salaud! J'ai très très mal choisi l'endroit où j'ai fait ça. La 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 la. C'est l'heure de la fuite! Alors là, chers amis, je peux vous dire que je vais me faire intercepter dans tous les côtés. Hein. Ça va être d'une violence. 3, 2, 1, engage. Ça va être d'une grande violence.
Allons-y. Allons-y, on s'est fait violenter en rentrant dans un vaisseau. Sachant que je suis même pas rentré de face, hein. Encore heureux, sinon j'aurais plus de coque. Waouh! On a pris tellement cher. Et vous voyez le petit point là qui s'approche de moi bizarrement? Il est tellement pas gentil. Je suis tellement persuadé que je vais prendre plein dans mes fesses. Youhou, il est pas passé, il est pas parti loin celui-là. Enfin, il est pas passé loin celui-là quand il a, quand il est passé en pleine balle. Oh la vache! Il y en a qui vont peut-être un petit peu fort aussi, hein. Oh. Je vous observe depuis pas mal de temps. Bah, pas moi. Moi, j'aimerais bien pouvoir m'échapper. Ah, salaud. Lâche-moi la grappe. Lâche-moi la grappe. Je veux pas mourir seul dans l'espace et tout congelé. Je veux rentrer. Voilà, c'est fait pour le petit moment chanson. Maintenant c'est l'heure de la fuite. C'est l'heure de la fuite. Je veux rentrer. Non, non. C'était une mauvaise idée. Mais une très très mauvaise. Aller là-dedans, c'était vraiment pas bon. Nous devons impérativement trouver un refuge, nous sommes prêts à tout pour y arriver. Eh ben, je pense que tu vas sucer des pots d'échappement, mon pauvre. Hein. Je sais pas s'il y a des échappements sur un. Sur un vaisseau, mais tu vas sûrement en sucer un paquet. Désolé. Oui, donc la planète est jolie. Hein. La planète est très 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 jolie. Bravo. Il est temps de rentrer. Garder un doigt sur. Ils sont devenus fous, plus bien on sera à cet endroit, mieux on se portera. C'est vrai que c'est pas complètement faux ce qu'il dit. Hein. Attention, on est bon. Faites qu'il y ait de la place. Et faites que je me fasse pas scanner en arrivant. Mon vaisseau est bien HS. C'est par où l'entrée? C'est par là-bas. Juste pour voir mes modules, ils sont dans quel état? Oui, en fait, non, il y a juste la coque à tout prix dans le nez, d'accord. Ben, la coque va me coûter encore cher. Mais c'est pas grave, on a l'habitude. Ça fait plusieurs épisodes que je me fais défoncer dès le début de l'épisode, en fait. Demande d'avantage. Bienvenue, commandant. Merci, merci, c'est très gentil de votre part. J'ai eu très très mal aux fesses, comme vous pouvez le voir, ma coque est complètement cabossée. Conséquence, je serais ravi de pouvoir me ravitailler et de me réparer chez vous. Madame, vous faites pas la discussion hein, quand même. Hein. Bon, permettez, je rentre. Apparemment, je vais encore trop vite. Allons-y. Et je vous assure, on va se garer, mais on va pas rayer la peinture parce que j'ai l'impression que ça va suffire. Alors, on va pas rayer la peinture. Hop là. Entrons dans le hangar, service de spatioport, et je ne pense pas que ce soit la meilleure journée que j'ai pour tourner de Lily Dangerous. Ravitailler les munitions 2000, réparer tout 1000. Faire le plein 60. Juste pour voir, réparation, intégrité de la coque, 15 crédits, ça va. Ben, ça va.
Par contre, est-ce qu'ils ont. Est-ce qu'on va craquer? Oh, est-ce qu'on va craquer? Gueule. Ah non, ils en ont pas. On aurait pu craquer, chers amis. On aurait pu craquer, mais on ne craquera pas. On va y aller à la souris dans le menu. Crac. On ne craquera pas dans le menu. Non, on n'a rien acheté ici. Table d'affichage, juste pour voir. Alors. Oh, ça aurait été cool ça. Ça aurait été cool. Ça aurait été très très cool. Type de cible des civils. Oh putain. Bon bah écoutez les amis, je pense que c'est pas le bon jour pour tourner deux Deadly Dangerous. Donc je vais vous laisser là, désolé. Hein. Je pense que vu ce que j'ai pris dans le nez dès le début de l'épisode, vu le nombre de... Enfin, vu la qualité des vaisseaux qu'il y avait dans le Crime Sweep, ça valait pas le coup que je m'y lance. J'ai fait peut-être une erreur en lançant le powerplay dès le début en fait, tout simplement. Donc quoi qu'il en soit les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et je vous invite quand même à faire un petit tour sur les soldes de mon partenaire gamesplanet.com. Pour tout simplement voir s'il y a des choses qui vous plaisent. Voilà, salut les gens!